trouvez ça aussi mauvais que toutes les rades que j'ai pillées ces derniers temps? Hé, c'est quoi ce regard? Je te plais, c'est ça? Ta tenue me séduit. Messieurs, soyez les bienvenus à Nassau. Ceux qui contribuent seront toujours bien reçus. De dire quoi? On est dans un foutu monastère? Nous, on avait cru comprendre qu'à Nassau, les gens faisaient ce qui leur plaisait. Tant qu'ils n'empêchent pas les autres d'en faire autant. Ouais. Capitaine Sage, j'en crois pas mes yeux. Et qu'est-ce qui nous vaut cette magnifique toison? Pourquoi hisser le drapeau noir quand une barbe fait l'affaire? Dites-moi ce que vous foutez si loin au nord, vous deux. Est-ce qu'on dit le gouverneur de Cuba devrait recevoir une grosse livraison d'or d'un fort voisin? Entre-temps, c'est Torella, à se languir de nous. Le gouverneur Torres en personne. Ça me plaît beaucoup. Bienvenue à Nassau, capitaine Vane. Monsieur Rackham. Bon ben, où est-ce qu'on peut trouver de la femme, messieurs? Le capitaine tient la barre. Alors, tu vas faire quoi de ta part de l'or qu'on va prendre au gouverneur Torres? Rentrer en Afrique? Parader comme un roi? Je peux pas rentrer là où j'ai jamais mis les pieds. Je suis né à Trinidad, esclave dès mon premier souffle. Hein. Mais tu ne te sentirais pas plus chez toi là-bas? Certainement autant que toi à Paris. Je vois. Avec cette couleur et cette voix, où tu veux que je me sente à l'aise? Dans ce monde. Cette nation ici, c'est ma meilleure chance. Ce pays appelé le Jackdaw. Je connais le nom de tous les habitants, où ils connaissent bien. Et où on travaille ensemble. Pas toujours par amour, mais pour tenir notre pays à flot. Je crois comprendre, Adé. Si on doit se battre... Battra pour le Jackdaw. Donnez-moi de la toile! Si on touche là, il ira par le pont. Ah 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 ah
la toile au vent, lâchez tout. Salut, Votre Excellence. Je suis pas surpris de vous trouver ici. Je connais ton visage, pirate. Mais tu portais un faux nom à notre dernière rencontre. Ah oui, je me souviens. Monsieur Duncan Walpole. Je le regrette encore. Alors, qu'est-ce qu'un grand maître des Templiers fait aussi loin de son castillo? Je suis le seul que ça regarde. Si je te faisais manger tes lèvres, ça regarderait qui, d'après toi? Il y a 2 ans, nous avons offert une récompense à qui reprendrait le sage. Quelqu'un prétend le détenir aujourd'hui. Cet or et sa rançon. Qui l'a trouvé? Un négrier du nom de Lawrence Prince. Il vit à Kingston. Cette histoire nous plaît, Torres. Et on va vous aider à la terminer. Et on va l'arranger à notre manière. Grâce à vous. Et à votre or.